Bonjour à tous, Litinois, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley, mais on ne va pas parler de Rift in Time pour une fois. On va parler de la mise à jour principale et notamment de la voie des étoiles qui va se finir dans à peu près un mois et demi. Donc la voie des étoiles royale de l'hiver. Alors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment en live Twitch, de ma déception de cette voie des étoiles. Pour moi, c'est la moins intéressante depuis le début du jeu. J'espérais vraiment des items de Noël. Il y en a quasiment pas. Je la trouve très girly par rapport aux skins, par exemple, des princesses. Voilà, ou même rien que les habits pour notre personnage sont plutôt tournés vers des personnages féminins. Je trouve ça décevant, même si je sais très bien que la plupart des joueurs sont des jeunes femmes. Il y a des hommes qui jouent, bien évidemment, mais je pense que un peu plus de la moitié correspond quand même à des femmes. Bref, c'est une déception pour moi, mais il n'empêche qu'on a pas mal de missions à faire pour récupérer tous les items, et c'est mon but de récupérer tous les items de cette voie des étoiles. Cette vidéo va avoir pour but de t'aider dans les désignations des quêtes qui sont pas toujours évidentes. Ou par exemple, pêche un poisson profondément musical, c'est le bar. Alors pourquoi le bar? Je ne sais pas trop, je serais plutôt parti vers la sole, mais non, c'est le bar. Donc voilà, maintenant je vais te donner le décryptage de toutes les petites quêtes, pardon, de la Voie des Étoiles qui sont pas forcément évidentes à trouver. Donc comme je le disais tout à l'heure, pêche un poisson profondément musical, ce sont les barres termines du travail royal. Ce sont n'importe quelle mission Dreamlight, que ce soit dans une île ou dans l'autre. Passe du temps avec un propriétaire de stand un peu idiot, c'est évidemment Dingo. Quand on te dit montre à tes bestioles que tu les aimes, il faut que tu caresses ton compagnon. Ça peut être le même compagnon que tu caresses deux fois de suite. Discute avec le canard le plus brillant en affaires de toute la vallée, c'est évidemment Picsou. Et ensuite, tu as une autre quête qui te dit qu'il faut que tu récupères ce que Picsou aimerait mettre dans sa piscine. Sa piscine est remplie de pièces d'or. Ensuite, prépare des plats à point, ce sont des plats 3 étoiles. Mange des plats presque parfaits, ce sont les 4 étoiles. Organise un vote de rêve, c'est un jeu d'enfant, là il faut voter pour 10 photos Dream Snaps. Fabrique un animal de Noël, c'est assez simple, c'est la chèvre de Noël. On a eu le craft l'année dernière, donc c'est 50 blés et 2 tissus. Déracine des épines nocturnes, c'est simple. Fabrique une potion que tu peux vraiment creuser, c'est encore plus de vernis de pelle miraculeux. Extrait des cristaux vitaux du sol, c'est dans les mines de Vitalis, il te faut 30 cristaux de Vitalis. Achète quelque chose de froid, ce sont les 30 glaces pilées. Cuisine des plats les plus raffinés, évidemment des 10 étoiles. Des 5 étoiles, pardon. Participe à un concours photo de rêve, bah, il faut participer tout simplement. Un défi Dream Snaps. Veux-tu faire une famille de bonhommes de neige? Donc il va falloir faire 4 bonhommes de neige sur la table d'artisanat et mange quelque chose que tu as cuisiné à la perfection. Ce sont évidemment des repas 5 étoiles. Ensuite, on te demande de prendre une photo de la maison d'un demi-dieu. C'est la maison de Maui. Le personnage adorable et rapide, c'est bien évidemment Vanellope. L'enchanteresse marine, c'est Ursula. Un solitaire qui récolte de la glace, c'est bien évidemment Christophe. La princesse glacée, c'est Elsa. La reine d'Arendelle, c'est Anna. Un ami portant un nœud papillon, c'est Mini. Offre ses cadeaux préférés à la dame du saule, c'est Mère Gothel. Le marin capricieux, c'est Donald. Un homme à crinière, c'est Simba. Ce n'est pas la bête. Le ranger de l'espace, c'est Buzz. Le shérif, c'est Woody. L'excellente chasseuse, c'est bien évidemment la petite Nala. Le petit chef, c'est Rémi. Discuter avec un méchant fier de l'être, c'est Scar. Le bonhomme de neige, évidemment, c'est Olaf. Le prince des mers, alors bizarrement c'est Eric, pour moi c'est pas le prince des mers, mais c'est pas grave. Et le roi des citrouilles, c'est évidemment Jack Skellington.
Ensuite, le poisson d'un des personnages préférés d'Arandel, c'est évidemment le hareng. Va pêcher quelque chose de rouge avec des pinces, c'est le homard. Récolte quelque chose de rouge, ça peut être le piment. Les fruits de mer à tentacules, c'est le calamar. Pardon. Ensuite, on a également le fruit acide, ce sont des citrons. Le plus royal des poissons, c'est le tazar. Et puis, on en a fini avec toutes les quêtes. Elles ne sont pas forcément dans l'ordre et je ne les ai pas forcément toutes énoncées. Mais c'est assez simple. Tu es de plus en plus aguerri en fait sur ce type de quête. Donc, je ne vais pas toutes les citer. Ça ne sert à rien. J'espère que ce petit guide t'aura aidé à avancer rapidement dans la collecte de jetons de la Voie des Étoiles. Il te reste encore, à l'heure où je fais cette vidéo, plus d'une quarantaine. Quarantaine de jours, 44 exactement, pour farmer à fond cette Voie des Étoiles et récupérer tous les items, tous les stickers et toutes les pierres de lune qu'elle contient. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Bye!